Unité 5. Défi de la vie contemporaine. Conjugaison. Le présent de l'indicatif. Verbe pronominaux usuel. Page 154 et 155. Le français pratique. L'antenne solaire. Les inventeurs se cassent la tête pour nous donner le fruit de leurs idées. Les grands panneaux solaires se trouvent dépassés. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, Sechin, pour remplacer ces panneaux photovoltaïques de grande forme par des antennes faites de nanotubes de carbone, qui s'utilisent beaucoup plus efficacement dans l'exploitation du rayonnement solaire. Leur dispositif miniaturise l'équipement nécessaire pour capter l'énergie du soleil. L'antenne solaire. Les inventeurs se cassent la tête pour nous donner le fruit de leurs idées. Les grands panneaux solaires se trouvent dépassés. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, Sechin, pour remplacer ces panneaux photovoltaïques de grande forme par des antennes faites de nanotubes de carbone, qui s'utilisent beaucoup plus efficacement dans l'exploitation du rayonnement solaire. Leur dispositif miniaturise l'équipement nécessaire pour capter l'énergie du soleil. J'observe et je découvre. De quoi parle-t-on dans le texte? Dans le texte, on parle de l'antenne solaire. 2. Coche la bonne réponse. Les verbes en gras sont conjugués. A. À l'impératif. B. Au présent de l'indicatif. C. Au passé composé. Les verbes en gras sont conjugués au présent de l'indicatif. Justifie ta réponse. Les terminaisons sont ENT. Trois. De quoi sont composés les verbes en gras? A. D'un auxiliaire et participe passé. B. D'un pronom réfléchi et un verbe. C. D'un pronom personnel et un verbe. D'un pronom réfléchi et un verbe. Je manipule et je réfléchis.
1. Complète les tableaux suivants. Verbe conjugué. Infinitif. Verbe conjugué. Se trouve. Infinitif. Se trouver. Je me trouve. Tu te trouves. Il se trouve. Elle se trouve. Nous nous trouvons. Vous vous trouvez. Il se trouve. Deux. Quelle conclusion pourrais-tu tirer? Le verbe pronominal se conjugue avec un pronom personnel réfléchi de la même personne que le sujet du verbe. Le sais-tu? Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'enfuir. De nombreux verbes existent aux deux formes, nom pronominal et pronominal. La forme pronominale nuance ou change le sens du verbe simple comme se lever, s'inscrire, se coiffer. Je retiens. Je complète par le sujet du verbe. Un pronom personnel réfléchi. Le verbe pronominal se conjugue avec de la même personne que les pronoms personnels. Réfléchissons, me, te, se, nous et vous. Les formes et l'idée, devant une voyelle, de, me, te, ce sont m apostrophe, ts apostrophe. Exemple de verbes pronominaux, se doucher, je me douche, tu te douches, il se douche, nous nous douchons, vous vous douchez, il se douche. Le verbe pronominal se conjugue avec un pronom personnel réfléchi de la même personne que le sujet du verbe. Les pronoms personnels réfléchis sont me, te, se, nous et vous. Les formes et l'idée, devant une voyelle, de, me, te, ce sont m apostrophe, ts apostrophe. Exemple de verbes pronominaux. Se doucher, je me douche, tu te douches, il se douche, nous nous douchons, vous vous douchez, il se douche. Mémo. Lorsque la première lettre du verbe est une voyelle, il y a élision des pronoms réfléchis. Me, te, se. Le E s'efface et est remplacé par une apostrophe. Exemple. Tu t'es promené en ville. Je m'entraîne. Je conjugue au présent les verbes pronominaux.
A. Je. Se méfier. Des informations publiées sur les réseaux sociaux. B. Nous. S'inscrire. Au nouveau club de la technologie et de l'innovation. C. Vous. Se promener. Dans le parc. D. Vous. Se soucier. Trop de l'avenir de la planète. D. Tu. S'absenter. Déjà alors que tu viens tout juste de commencer de travailler avec ce club de l'environnement. Ah. Je me méfie des informations publiées sur les réseaux sociaux. B. Nous nous inscrivons au nouveau club de la technologie et de l'innovation. C. Vous vous promenez dans le parc. D. Vous vous souciez trop de l'avenir de la planète. D. Tu t'absentes déjà alors que tu viens tout juste de commencer de travailler avec ce club de l'environnement. Je m'évalue. Complète avec le pronom correct et écris le verbe à la forme voulue. A. Chaque jour, je. Se lever. À 6h30 grâce à mon réveil robot. B. Il. Se dépêcher. De peur de rater le tramway. C. Nous. Se rendre. Compte que la famine est un vrai défi pour l'humanité. D. Nous. Se rencontrer, souvent dans le forum de l'invention. E. Aujourd'hui, dans les grandes villes, les gens. Se déplacer. Difficilement. La fluidité de la circulation est un vrai défi pour le conseil de la ville. A. Chaque jour, je me lève à 6h30 grâce à mon réveil robot. B. Il se dépêche de peur de rater le tramway. C. Nous nous rendons compte que la famine est un vrai défi pour l'humanité. D. Nous nous rencontrons souvent dans le forum de l'invention. E. Aujourd'hui, dans les grandes villes, les gens se déplacent difficilement. La fluidité de la circulation est un vrai défi pour le conseil de la ville. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.